vous tourmentait depuis l'enfance. Vous faites même une première tentative de suicide à 14 ans. Ouais. Pourquoi en arriver là si jeune? Parce que je pense que je me posais des questions déjà très jeune. Je me questionnais sur le pourquoi des, je sais pas moi, les injustices, la méchanceté des uns, l'ingratitude des autres, la trahison de ça, puis l'absence peut-être effectivement de mon père, ma mère qui travaillait beaucoup. Enfin bref, je réfléchissais à tout ça tout le temps. Vous avez longtemps dit que votre père était à l'origine de votre mal-être. Il était parti du foyer, vous n'aviez que 4 ans. Ouais. Vous n'aviez plus de nouvelles. Non, notre relation, elle s'était avec le temps, elle s'était abîmée, mais avec du recul, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je souffre beaucoup de l'absence de mon père, mais je pense que ça devient aussi un peu mon excuse et mon fourre-tout. C'est-à-dire que je mets tout sur son dos, et très honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que le problème était plus profond que ça, même si je souffrais énormément de son absence, mais c'était pas le seul problème de ma vie.